Un jour de 1952, avec l'un de ses premiers salaires, Georges Brassens s'offre une caméra. Il filme ses parents, ses amis, ses amours. Un univers, des êtres qui, bien que restés dans l'ombre de son succès, lui ont inspiré certaines de ses plus grandes chansons. On connaît tous Brassens, le chanteur, l'homme à la pipe et à la guitare. Mais qui connaît l'homme pudique qui se dissimule derrière ses chansons? Quand on découvre les films amateurs qu'il a tournés, on réalise à quel point il est difficile de dissocier sa vie de son œuvre. Pendant près de 10 ans, il engrange des films qu'il assemble, annote, archive. Un petit trésor, un concentré de vie. Avec le temps, la caméra de Georges circule de main en main. Il est de plus en plus souvent à l'image, sous un jour parfois tout à fait méconnu. Ses archives personnelles témoignent d'un entre-deux dans la vie de Brassens, entre un début de reconnaissance et un succès qui va le dépasser. C'est lui qui a fait tout ça ? C'est l'homme le plus mystérieux que j'ai rencontré, le plus pudique. Il y a une joie de vivre là qu'on les connaît peu. Hein. C'est adorable ça, adorable. Qu'est-ce qu'il chante là? Qu'est-ce qu'il chante là, on sait? Il est tout seul là, apparemment il pose la caméra. Et... Pourquoi il avait acheté une caméra? Il avait un projet quelconque ou c'était pour s'amuser? Je pense qu'il aimait bien les appareils modernes. Il était fasciné par ça. Il s'est acheté sa première caméra, je pense en 52. Je crois qu'il l'a acheté très très vite, peut-être bien au cours de la première tournée. Puisqu'on a des films qui datent de cette période-là. Quand tu fais de la photographie, quand tu filmes, tu cours derrière quelque chose et c'est d'imprimer ces images de bonheur, quelque chose du temps qui passe et de l'idée de la mort, qui était quelque chose qui a poursuivi Brassens toute sa vie. Il aimait vraiment le cinéma, Georges. Il aimait beaucoup, beaucoup filmer, il adorait ça. Donc il filmait sa vie, il photographiait sa vie. Ça, c'est son père. Oh, il a la même façon de fumer une cigarette que Georges. Oh, oh là là, ce que c'est drôle. C'est qui? C'est son neveu? Oh, c'est marrant comme il ressemble à Georges petit. Donc Georges, il avait 35 ans, là. Et la maman, elle avait mon âge. Tu vois, il faisait tout le temps le clown. Oui, la caméra est sur un pied. Je les filmais systématiquement pour les voir pendant l'hiver. Tu as remarqué qu'il marche un peu comme Charlot, le vieil ours? Ouais, ça tient au cinéma, ça. Oh, c'est un peu saccadé, je... Ah, voilà, t'as même. Ils n'étaient pas du tout doués pour la comédie. Je leur avais dit, venez là-devant et marchez. Ne restez pas immobiles. Alors ils tournaient sur eux-mêmes. Et c'est pas mieux. Si. Parce qu'on ne regarde pas ça comme on regarde un film au cinéma. Hein. J'aime pas m'attendrir, mais si tu continues, tu vas me faire m'attendrir et j'ai horreur de ça. Alors tourne ton truc, là. Je pense que ces gens-là n'en sont jamais revenus d'avoir eu ce garçon comme ça. Ouais. Ses parents ne l'ont jamais vu au spectacle, ni à Paris, ni même à Sète. Hein. Sa mère n'a jamais allé voulu le voir. Pourquoi? Je ne sais pas. Le fils, il était dans un autre monde, dans un autre univers.
C'était des gens très gentils, très simples, très modestes, effacés. Puis c'était un tel bouleversement dans leur vie, vous vous rendez compte? Une petite ville de province, un petit quartier ouvrier, et vous avez le fils qui brusquement éclate comme ça. Quelle était son ambition pour toi, de ta mère? Oh, de très grandes ambitions, que je fusse employé de gare, médecin, avocat, docteur, militaire. Enfin, des choses extravagantes. Et après, enfin, quand tu es devenu ce que tu es aujourd'hui... Hein, alors, ça lui a fait plaisir parce qu'on lui parlait de son fils, mais enfin, elle se serait contentée d'autre chose. Le côté pas tellement sûr de ses métiers lui faisait un peu peur. Qu'est-ce qu'elle lit, ta mère, là? Je crois qu'elle lisait un livre pieux. Elle était très pieuse, et ça l'a chiné un petit peu, là-dessus. Nous n'avions pas les mêmes convictions religieuses. Et tes chansons, la désolé, non? Les chansons à gros mots, la désolé. Ah oui. Elle aimait pas les gros mots. Elle disait, je t'ai jamais appris à... Elle avait voulu faire de son fils quelqu'un de très poli. Il se trouve que son fils est monté sur scène pour dire des gros mots. Déjà, les gros mots, quand on les disait à la maison, mon père en disait assez souvent. Ça l'a choqué, ça l'a heurté. Moi, je n'en ai jamais dit. Hein. Les dire à la maison, ça lui paraissait déjà choquant. Mais alors, monter sur une scène devant des gens pour dire des gros mots, ça lui paraissait le comble de la grossièreté. Le temps ne fait rien à l'affaire. Quand on est con, on est con. Qu'on ait 20 ans, qu'on soit grand-père, quand on est con. Entre vous, plus de controverses, qu'on caduque ou qu'on débutant. Petit con de la dernière averse, vieux con des neiges d'antan. Petit con de la dernière averse, vieux con des neiges, je l'entends. Il est à la fois partagé entre un père qui était libre penseur et une mère qui était une fervente catholique, et il était en rébellion à la fois contre cette mère et en adoration vers son père. Donc je crois que son tempérament d'anarchiste et de libertaire, il remonte très très loin, très très loin, à sa tendre enfance certainement, en tout cas son adolescence, ça c'est sûr. Mon père en a toujours beaucoup plu parce qu'il ne m'a jamais... Il ne s'est jamais tellement occupé de moi, il ne s'est jamais tellement mêlé de mes affaires, de collège, tout ça. Il a commencé à dire, quand il avait des discussions avec ma mère, parce que ma mère voulait que je devienne un fonctionnaire, un truc comme ça, il a dit, laisse-le faire, il fera ce qu'il veut, il se débrouillera, ça n'a pas d'importance. C'est pas parce que c'est notre enfant que nous avons des droits sur lui, c'est pas... Nous n'avons pas à lui imposer de... Il n'a pas dit ça devant moi, mais je l'ai entendu, les enfants entendent à travers les murs. Il pensait que, même tout petit, j'étais assez grand pour trouver moi-même l'attitude qu'on doit avoir dans la vie, le comportement. Il voulait rien me dicter. Au village sans prétention, j'ai mauvaise réputation. Je me démène ou je reste quoi? Je passe pour un je ne sais quoi. Je ne fais pourtant de tort à personne en suivant mon chemin de petit. Bonhomme, mais les braves gens n'aiment pas que l'on suive une autre route que. Non, les braves gens n'aiment pas que l'on suive une autre route que. Tout le monde médit de moi, sauf les muets, ça va de soi. L'histoire de la mauvaise réputation remonte à 7. On remonte à 7 en 1939. C'est la fameuse affaire des bijoux. Histoire d'adolescents un peu culottés, un peu, qui se sont laissés grignoter, envahir en roulant les mécaniques un petit peu. L'un d'eux, je pense, c'est comme ça que ça a démarré, a eu l'idée d'aller plus ou moins barboter des bijoux chez sa tante, vous voyez. Puis alors ça a commencé comme ça. Puis la tante, on est allé chez la voisine de la tante, enfin un peu les pieds nickelés là. Et lui, pendant que les copains étaient allés farfouiller dans l'appartement, faisait le guet.
Quand ils avaient des bijoux, il fallait les revendre. Et donc, ils les revendaient à une bijoutière sétoise qui a eu la mauvaise idée de mettre les bijoux volés en vitrine. Puis voilà, ils se sont fait pincer comme ça. Alors, évidemment, ça a fait un grand branle-bas de combat à 7. Tout le monde parlait de ça. Et les parents des joyeux garnements ont vécu des moments douloureux. Et notamment la mère de Georges. La mère de Georges n'allait plus faire ses cours, ne sortait plus de chez elle. Elle était vraiment angoissée à l'idée de rencontrer ses copines, ses voisines, qui parlaient de son voyou de gamin. Le comportement de son père est magnifique. Alors que tous les parents de ses autres copains au tribunal sont allés les enguirlander, les sermonner, voire... leur ont demandé de ne plus rentrer à la maison. Lui, il a tout simplement offert un sandwich en lui demandant tout va bien, même sans parler. Enfin, il se parlait du regard, en fait. Papa, papa, il n'y eut pas entre nous, papa, papa, de tendresse ou de mots doux. Pourtant on s'aimait bien qu'on ne se l'avoua pas. Papa, 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 papa. Maman, papa, toujours je regretterai. Maman, papa, de vous avoir fait pleurer. Aux temps où nos cœurs ne se comprenaient encore pas. Maman, papa, maman, papa. Comme il était très sensible, je pense que ça l'a marqué profondément. Et d'ailleurs, même l'attitude de la rue, elle a l'importance qu'on lui accorde, mais elle était moins forte qu'on peut l'imaginer. Vous voyez, la rue n'était pas à crier à mort, aux voleurs, non. Mais lui, il le sentait comme ça. Lui, dans le regard des gens qu'il pouvait croiser, dans son quartier, de ceux qui le connaissaient bien, il lisait ça. Ce qui a conduit Georges à monter à Paris au début de l'année 1940 et à se réfugier chez sa tante Antoinette. Mais à la demande des parents, il en avait certes envie, mais il a été vraiment poussé par les événements. On était resté à 7, on n'a pas su comment vous êtes arrivé à Paris, toi et tes copains. T'es venu tout seul, toi? Moi, je suis venu tout seul au moment de la guerre. Ouais. C'était pas pour Qu'est-ce sauver la patrie, 39? Parce que je n'en avais pas l'âge encore. Ouais. Qu'est-ce que tu faisais en 39? En 39, j'étais au collège. Et puis je suis venu à Paris en me disant, là-bas, je vais faire des chansons. Je vais essayer de les placer. Alors je suis d'abord rentré chez Renaud. T'es arrivé chez Renaud? Oui. Puis j'ai essayé de placer mes chansons, puis... Ça ne plaisait pas beaucoup, là, ce genre de chanson. Ouais. Alors tu as attendu 51. Alors j'ai attendu 51. Et de 39 à 51, tu t'es pratiquement préparé. J'ai appris à faire des chansons. T'as appris à faire des chansons. C'est pris de ta fenêtre, ça. C'est pris de la fenêtre de ta chambre. Oui. Tu as des chats, des colombes, des chiens? J'ai un peu de tout, tu sais. Donc c'est dans la cour de la maison dans laquelle tu viens, mon père. C'est dans la cour. C'est Georges qui a fait ce film. C'est Georges, oui, Riffard, c'est Georges qui a fait ce film. Je ne suis pas du tout doué pour ça, je ne sais pas choisir les angles. Alors, la main qu'on voit tout à fait en... C'est la main de Gros Bidon. Gros Bidon, c'est Jeanne. C'est Jeanne. Jeanne, c'est la canne de Jeanne. C'est ça. Voilà, c'est Georges. C'est Georges qui... Ça, c'est Georges qui boit du café et qui a l'air de dire qu'il n'est pas très beau. Ouais, avec Jeanne. Donc on voit Marcel, encore on n'a pas vu Marcel, son mignon. Marcel, c'est l'Auvergnat, et Jeanne, c'est l'Auvergnat, bien qu'elle soit bretonne. C'est ça. Jeanne était la couturière de la tante de Georges chez qui il s'était réfugié après la fameuse affaire des bijoux au début de l'année 1940. Leur première rencontre, on va dire au milieu de l'année 1942 à peu près, et ça a été un coup de foudre, donc ils sont tombés très vite amoureux. Ils ont dû sortir ensemble pendant les 6 mois de l'année 42-2. Et ensuite, il est parti au STO en février 43. Et ils ont conservé,
pendant toute l'année du STO, de février 43 à février 44, et ils ont eu une correspondance assez suivie, une correspondance amoureuse. Donc cette histoire d'amour remonte à cette époque-là. Il faut savoir que Jeanne avait 30 ans de plus que Georges. C'est où, c'est impasse Florimont? C'est une époque, quoi, c'est ça qui est incroyable. Hein. Les bassines émaillées, tout ça. La vaisselle avec de l'eau froide dehors. Enfin... Elle est coquette en même temps, Jeanne. Elle avait mis un beau collier pour, sans doute pour être filmée, non? Elle est jolie, là, d'ailleurs. J'ai toujours vu des photos. C'est le, oui, ça fait partie de la mythologie, Brassens. Mais souvent, on la voyait comme une petite femme, enfin, sur les photos, une petite femme rabougrie, un peu, tout ça. Et on s'étonnait que Brassens et Jeanne aient pu former un couple, alors que là, je trouve qu'on voit une belle femme. Ouais, elle a de la classe, elle a un beau regard. Et on sent un tempérament, quoi. C'est un être totalement particulier. C'est une lingère du 14e arrondissement qui recueille tous les animaux désespérés du quartier, qui n'a pas un rond, qui vit avec Marcel, qui est complètement alcoolique, qui tombe amoureux d'un jeune type de 20 ans qui est Brassens, qui est rien, qui est presque délinquant, tu vois, qui est un type qui est un peu en marge, qui est totalement en marge. Elle tombe amoureuse de cet homme alors qu'elle vient de se marier quand même avec ce carrossier, qui a l'air d'être un être absolument adorable, mais totalement alcoolique. Ils s'installent tous les trois. On est au milieu des années 40. Enfin, c'est complètement dingue. Et je pense que la rencontre de Jeanne, pour Brassens, ça a été un élément fondateur. Il vivait, il avait, je pense, une vie un peu réduite, comme ça, à 7, dans laquelle il tournait un peu en rond, ce qui lui a commencé à lui faire des conneries. Il monte à Paris, il est chez sa tante. Bon, il est un peu à l'étroit, faut qu'il bosse, alors... Merde, tu sens que c'est pas son truc. Et rencontre Jeanne et dit « Ah, c'est possible de vivre comme ça. C'est possible. » J'étais bien là, chez Jeanne. On avait une espèce de vie de bohème. On vivait de peu. On était en marge des modes, en marge des grands événements. Tout ça, c'était quand même, je dirais pas une oasis, parce qu'on n'était pas si bien que ça. C'était une espèce d'îlot, un îlot un peu déshérité, je dois dire, mais c'était quand même une espèce d'îlot dans lequel j'avais pris l'habitude de vivre et où je me trouvais bien. On vivait dans une espèce de dénuement, mais qui n'était pas de la pauvreté. C'était une espèce de dénuement, je dirais pas tellement voulu, mais enfin un dénuement qui était assez riche. Moi, je faisais des chansons, je les chantais avec eux, tout ça, on était... Ça allait, quoi, ça. C'était... Là, il y a eu presque... Ce dont on manquait, nous manquait pas. Là, je vivais de la charité des autres, quoi. Je pilonnais. Je faisais la manche. Avec la dignité d'un sénateur romain, quoi, disons. Là, ils ont vécu dans la misère, on peut dire, jusqu'à ce que Georges soit célèbre pendant... Pratiquement une dizaine d'années, ils ont vécu. C'était pas loin d'être un taudis, on peut dire. Donc il n'y avait ni eau courante, ni électricité, ni tout à l'égout, bien sûr. Et j'ajouterais qu'il y avait également une forte promiscuité. Mais il était totalement pris par ses chansons, par ce qu'il écrivait. Hein, que ça le faisait sortir des conditions qui auraient été, disons, plus, apparemment plus dures pour quelqu'un d'autre. On ne l'assimilait pas à un SDF, c'est vraiment penser à un poète qui travaille. Il était déterminé, hein. C'était marche ou crève. Je travaille, je bosse, je suis dans mes chansons, je passe mes matinées à la bibliothèque municipale. Je pensais qu'un jour j'écrirais une chanson qui aurait du succès. Enfin, je ne voulais pas travailler parce que j'avais l'impression que si je me mettais à travailler, si je prenais une profession déterminée, un métier, si je passais mon temps à louer mes bras ou ma petite tête à un patron, je ne pourrais pas me consacrer entièrement à mes chères études. Eh oui. Eh oui. Quelle merveille. Mais quelle merveille, ce mec.
Et quelle liberté, quelle insolence, quelle vision des choses. Il dit, bon, je ne peux pas travailler, on a rien à foutre de travailler. je vis au crochet des autres et c'est très bien comme ça. Et il savait bien qu'un jour, les choses se renverseraient. C'est quand même un sacré culot, parce que nous, aujourd'hui, c'est facile de disserter sur l'immense talent, Jeanne et tout ça, mais en 45 jusqu'en 52, c'est la dèche totale. Brassens, il est quand même, il rapporte pas un centime à l'impasse Florimond. Il écrit, il dit qu'il veut être poète, et puis après qu'il écrit des chansons pour les autres, mais enfin, qui d'autre que Jeanne ou Marcel peut croire en lui? Le fait d'avoir vécu dans cet endroit avec Jeanne, avec Marcel, parce qu'il ne faut pas non plus gommer le rôle de Marcel, parce que Marcel, il était là quand même au quotidien, mais d'avoir ces figures tellement incroyables et tellement à part, qui lui a permis d'avoir totalement la liberté pour écrire ses chansons. Il aimait beaucoup Marcel, il aimait beaucoup. Puis quand même, il avait un petit peu, peut-être pas mauvaise conscience, mais enfin, il savait bien de quoi il lui était redevable. Il était gentil, il avait été gentil, Marcel, avec Georges. Il n'avait pas rechigné à recevoir Georges chez lui. C'était quand même chez lui. Hein. Enfin, il n'avait pas beaucoup droit à la parole, ça, faut admettre que c'était quand même Jeanne qui commandait. Mais il avait une certaine dignité dans sa position de, est-ce qu'on peut dire, de mari trompé, je sais pas. Enfin, c'était quand même un peu le cas. Ça avait été le cas, en tout cas. Mais il était très digne. Le chat. Est-ce que ce sont les jupons de Jeanne? Ouais. C'est joli. C'est émouvant. Les chats, les chiens, le coq. Bah, toute cette famille de gens qui sont censés ne pas s'entendre, ils s'entendent très bien. Elle est drôle, Jeanne. Elle est belle, hein? Très belle. Elle est magnifique, cette femme. Mais bon, elle détenait un trésor, et elle le savait. Et lui ne savait pas qu'il était un trésor. Je ne sais pas si c'est par amour ou par goût de la poésie, mais elle s'est passionnée par l'écriture de Georges, ça c'est sûr. Oui, elle l'a beaucoup, beaucoup encouragé. Sans ses encouragements, il aurait levé le pied certainement bien avant. Elle a été le pilier du décor, et donc tout ce qu'il a ressenti, tout ce que dans ses chansons on sent des difficultés de la vie, de son rapport avec les femmes. C'est marqué quand même par la présence de Jeanne dans ces lieux. J'ai Jeanne, la Jeanne, son auberge est ouverte aux gens sans feu ni lieu. On pourrait l'appeler l'auberge du bon Dieu, s'il n'en existait déjà une, la dernière où l'on peut entrer sans frapper, sans montrer patte blanche, hanche. J'ai Jeanne, la Jeanne, on est n'importe qui, on vient n'importe quand, et comme par miracle, par enchantement, on fait partie de la famille. Dans son cœur, en se poussant un peu, reste encore une petite place. La Jeanne, la Jeanne, elle est pauvre et sa table est souvent mal servie, mais le peu qu'on y trouve assouvi pour la vie, par la façon qu'elle le donne. Son pain ressemble à du gâteau, et son eau a du vin comme deux gouttes d'eau.
quand on peut déprimer au volant un baiser sur son front ou sur ses cheveux blancs. Un semblant d'accord de guitare, l'adresse d'un chat échaudé ou d'un chien tout crotté comme pour boire. La jeune. Là, il en bavait parce qu'il essayait de passer sur recommandation dans des boîtes. Il passait des tard le soir, hors programme, sans cachet, sans rien. On le tolérait, disons. Hein. C'était pour lui, on disait, bon, ce type-là qui va gratter sa guitare un petit peu pendant un moment, on ne va pas le flanquer dehors. Alors. Mais lui, ça lui remontait pas le moral. Hein. Alors, chaque semaine, c'était le point, le bilan. Où t'es allé cette semaine, qu'est-ce que t'as fait. Et puis il me chantait ses derniers trucs. On est surpris par la nouveauté de la chose. Hein, mais ça collait tellement avec l'individu. Il se chantait. Il chantait son état, sa misère, sa vision des autres. Et c'est comme ça qu'on a passé l'hiver 51. Et puis je l'ai vu lentement se lasser, devenir beaucoup moins enthousiaste. On a l'impression, et puis il m'a dit un jour, j'en ai marre, j'ai envie de laisser tomber, je chanterai pour les copains, et ça sera bien comme ça, voilà. Et c'est comme ça qu'un jour je lui ai dit, ça marche de nulle part, mais il y a peut-être un endroit, il y a une fille qui chante des trucs, qui a un répertoire assez particulier, donc je pense qu'elle pourrait peut-être recevoir tes chansons. Quoi. Comment ça se passait, ces auditions? Mal. Il t'a emmené pratiquement. On me regardait, on trouvait que j'avais un air bizarre, que j'avais des cheveux trop longs. Tu sais qu'il y a une espèce de légende qui veut que je sois très sale. À cause de mes cheveux, de mes moustaches, ça fait noir tout ça. Alors le noir, c'est synonyme de sale. Et alors on me foutait dehors, quoi, tout simplement. Très gentiment. Et on me disait, oh, une autre fois. Voilà. On n'appréciait pas du tout tes chances. Non, et alors là, j'ai commencé à être un peu désespéré. À ce moment-là, tu as retrouvé, heureusement pour toi, tu as retrouvé la ville. Ben, j'ai retrouvé mon vieil ami la ville. Qui s'est dit, il y en a assez, ça ne peut pas durer. Voilà, voilà, qui s'amène un peu. Chacun son tour, tout de même, d'être devant. Voilà, j'allais de temps en temps chez lui, alors il s'est dit, ça ne peut pas durer, mais raconte-lui ça toi-même. Mais c'était en 51, je crois, non? Ou 52. 52, oui. C'était février 52. Tu venais de te marier, c'était en 51 ou 52. Je me mariais. Je revenais à peu près toutes les semaines à la maison. Chanter un peu. C'est chez toi que j'ai fini la mauvaise réputation. Alors un soir, je lui ai dit, il faut tout de même en finir avec cette histoire de traîner d'un cabaret à l'autre, de sans cesse changer, etc. Ça marche pas. Il croyait que c'était facile, lui, d'aller présenter Brassens. Mais ça marchait. Il croyait que ça allait marcher tout de suite. Ça s'en verge, Georges? Non, j'en veux pas, merci. Alors un soir, il est monté chez Patachou. Patachou l'a accepté très gentiment, puis lui a dit, attendez un petit moment, après mon tour de chant, j'écouterai Joe. Hein. Il m'avait donné son cahier de chansons, qui le suivait tout le temps, hein, un cahier épais comme ça. Et Patachou s'est assise là, et Georges transpirant, en nage terrible, et ruisselé, le pauvre. Il montait avec sa guitare, il me dit, qu'est-ce que je chante? Alors moi, je lui dis, la mauvaise réputation, ouais. Puis après, le gorille. Alors Patachou me dit, mais il en a beaucoup comme ça, de ce calibre? Et je lui dis, regardez le cahier. C'est à travers de larges grilles que les femelles du français contemplaient un puissant gorille, sans souci du qu'en dira-t-on. Avec impudeur, c'est comme mère, l'ornième à mon endroit précis, que rigoureusement ma mère m'a défendu de nommer ici. Car au gorille, tout à coup la prison bien close où vivait le bel animal. On ne sait pourquoi, je suppose qu'on avait dû la fermer mal. Le singe en sortant de sa cage dit, c'est aujourd'hui que je le perds. Il parlait de son pucelage, vous aviez deviné, j'espère. Car au gorille, ça a été absolument une bombe. Ça a été tout à coup la concrétisation de,
de tous les mots qu'on avait envie de dire, de toutes les choses qu'on avait envie, enfin que les gens avaient envie de dire. Non, non, c'est très très fort, très, c'est très important. Les premiers disques des Philips, à mauvaise réputation El Gorille, sont retirés de la vente, quoi. Quand ils passaient les premières tournées en Bretagne, les curés faisaient des messes pour demander aux paroissiens enfin, de ne pas aller écouter Brassens, parce que sortait le soufre, enfin, c'était vraiment le diable, quoi, Brassens. Supposez qu'un de vous puisse être comme le singe obligé de violer un juge ou une ancêtre, lequel choisirait-il des deux? Qu'une alternative pareille, un de ces quatre jours mes choix, c'est, j'en suis convaincu, la vieille qui sera l'objet de mon choix. Car au gorille, mais par malheur, si le gorille au jeu de l'amour vaut son prix, on sait qu'en revanche il ne brille ni par le goût ni par l'esprit. Alors au lieu d'opter pour la vieille, comme aurait fait n'importe qui, il saisit le juge à l'oreille et l'entraîna dans un maquis. Car au gorille, la suite serait délectable, malheureusement je ne peux pas la dire et c'est regrettable, ça nous aurait fait rire un peu. Car le juge au moment suprême criait maman, pleurait beaucoup, comme l'homme auquel le jour même il avait fait trancher le cou. Car au gorille, en 52, il est tout de suite, ça a super bien marché, il a commencé à être très riche, il aurait très bien pu partir de l'impasse. Il n'a jamais voulu quitter l'impasse, parce que c'était là où il était heureux. Et je trouve que c'est une des plus grandes leçons de vie, ça. De dire, mais j'installe l'eau, l'électricité, j'achète quelques meubles bretons pour Jeanne, c'est tout, parce que mon bonheur, il est là. C'est le bonheur pour les chiens. Oh là là. Ouais, il a une certaine classe, hein, Marcel. Il a des belles pipes d'écume. Oui, il avait même un gilet, il avait un costume et un gilet. Oh, je sais pas où c'est pris ça. Peut-être le bois de Boulogne, tout bêtement, non. Parce qu'il y a de la circulation, ça doit être le bois de Boulogne, je pense. Ramène l'herbe pour les chats. Prendre l'herbe. Il y a un truc qui est hyper touchant dans ces images. Il y a la voiture, donc il a commencé les tournées, il y a l'argent qui est un peu rentré. Marcel s'est acheté un beau costume, il a mis sa montre. Elle a un joli manteau. C'est magnifique parce que tu sens qu'ils n'ont jamais eu ça. C'est beau et qui, tu les vois marcher, ils sont hyper fiers. Mais en même temps, quand elle se ramasse et qu'elle va prendre de l'herbe, il y a la nature qui reprend le dessus, tu vois. Elle la ramasse comme une... comme elle est. C'est-à-dire, quelqu'un, une femme du monde, elle aurait jamais ramassé l'herbe comme Jeanne la ramasse. Mais c'est ça que je trouve magnifique. Thank you.
Donc là, on doit être dans la tournée d'été. 53, non? Probablement. Ah, ça, c'est Pupchen à droite. Elle était encore gironde à l'époque. L'autre dame, je sais pas qui c'est. C'est pourtant ce visage me dit quelque chose, mais. Pupchen, je la reconnais parce que je l'ai quand même bien connue. Je sais pas en quelle année, je crois que c'est en 47 qu'ils sont rencontrés. À l'entrée de l'impasse, il y avait un marché et elle y faisait ses courses. Et donc il l'a accosté. Ça n'a pas dû être très difficile de la séduire, parce qu'il était quand même séduisant. Elle l'accompagnait toujours en tournée. C'était les seules périodes où ils vivaient complètement ensemble. Elle était discrète. Bon, je pense pas qu'il ait supporté une extravagante, ça je crois pas. Il en avait déjà une à la maison. Je pense pas qu'elle était qu'il en aurait amené une en tournée. Il en avait assez d'une, je crois. Pupchen, il était partout, hein. Dans les spectacles à Paris, dans la loge, dans les tournées, elle ne le quittait pas, hein. Ça, elle avait peur que l'oiseau s'envole, hein. Pupchen, quand il l'a rencontrée, était une femme mariée. C'est devenu la femme de sa vie, très vite. Très vite, à la fin des années 40, dès qu'elle a divorcé. Mais ils n'ont jamais habité ensemble. Lui habitait à l'impasse donc jusqu'en 65. Elle avait son appartement. Et donc, ils se voyaient de temps en temps comme des amants. Trouverais-je des noms, des mots assez bourbeux pour noter d'infamie cette femme de peu qui a choisi son mari pour tromper son amant et mener l'adultère à son point culminant. Ma maîtresse, la traîtresse, où donc avais-je les yeux, quoi donc avais-je dedans pour pas m'être aperçu que depuis quelque temps, quand elle m'embrassait, elle semblait moins coulue et faisait des enfants qui ne me ressemblaient plus. Ma maîtresse, la traîtresse. La première fiche des renseignements généraux qui existe sur Georges Brassens existe sur ce. Sur les aventures extra-conjugales qu'il avait. Enfin, pas lui, mais les aventures extra-conjugales de ses partenaires. Donc, c'est à la suite d'une plainte d'un des maris jaloux qui a été ouverte cette fiche des renseignements généraux. Il y en a eu plusieurs ensuite. Et effectivement, il était fiché pour complicité d'adultère. Moi, je n'ai connu l'amour que dans l'adultère. Vu qu'on ne pouvait pas à ce moment-là avoir de rapport sexuel avec une femme sans être obligé de lui promettre le mariage. Ah bon, alors vous ne pouviez comme pas. Je ne pouvais pas promettre le mariage. Et pourquoi? Et parce que je ne voulais pas me marier. Ah oui, oui. Parce que je voulais écrire, je voulais faire de la musique, je voulais faire de la chanson. Et j'estimais à tort ou à raison que quand on se lance dans une aventure pareille, on n'entraîne pas une femme et des enfants à venir dans cette histoire. Alors je me tournais vers les femmes qui s'emmerdaient avec leur mari, quoi. Oui. Et comme il y en avait plein, surtout à Paris, il y en avait partout, partout il y en avait beaucoup, seulement en province, elles n'osaient pas le manifester. Pupchen, c'est quand même la femme qui est le fil rouge de sa vie. Elle a été là pour lui fermer les yeux en 81, donc elle a toujours été très très présente. Mais il ne l'a pas épousée. Il ne lui a pas fait d'enfant, mais elle a toujours été là. Elle avait quand même de lui ce que personne n'a eu. C'est pas rien, hein. C'était sa femme. C'était son choix. Ma
ami de grâce, ne m'étends pas sous la gorge à Cupidon sa propre flèche. Tant d'amoureux l'ont essayé, qui de leur bonheur ont payé ce sacrilège. J'ai l'honneur de ne pas te demander ta main. Ne gravons pas nos noms au bas d'un parchemin. Laissons le champ libre à l'oiseau. Nous serons tous les deux prisonniers sur parole. Oh, oh, au diable les maîtresses que qui attachent les cœurs aux queues des casseroles. J'ai l'honneur de ne pas te demander ta main. Ne gravons pas nos noms au bas d'un parchemin. Vénus fait vieille souvent, elle perd son latin devant la lèche frite. À aucun prix, moi je ne veux effeuiller dans le pot-au-feu la marguerite. J'ai l'honneur de ne pas te demander ta main. Ne gravons pas nos noms au bas d'un parchemin. C'est la plage, ça, oui, c'est la corniche. Il y a de la houle, oui, c'est la plage de la corniche, là, oui. Ça, c'est Loulou, qui est debout là-haut, qui allume la cigarette, c'est Loulou. Loulou qui a fait partie, à l'époque, de la mauvaise réputation, et qui n'était pas un collégien du tout, c'était un gars en dehors du collège, qui s'était lié avec Georges, qui était un peu plus âgé que nous, d'ailleurs, et... mais qui avait dû plaire à Georges par le côté un peu aussi... un peu tout ce qui était un peu en dehors des normes plaisait à Georges. Hein. Tout ce qui était dans le droit fil, tout ce qui marchait au pas, comme il dit, mais là, c'est... il allait plutôt à celui qui marchait à côté d'eux. Hein. Là, ils font les andouilles pour le film. Hein. Mon Dieu, que les corps ont changé. Et que les maillots de bain ont changé. On ne peut pas dire qu'il soit hyper sexy quand même, le mec. Hein. Quand tu le mets en maillot de bain, tu t'aperçois qu'il n'a pas trop le physique de jeune premier. L'autre, il pourrait être la vedette. Ça serait marrant de le mettre aussi en relation avec les autres vedettes de l'époque, parce que là c'est vraiment les gens modestes quoi à l'époque qui vont sur la plage. Enfin c'est tout le monde quoi, tous les Français ils ont les joies de Brassens quoi, joies extrêmement simples, modestes. Alors que c'est l'époque où Saint-Tropez est devenu la capitale des gens un peu artistes, friqués, etc. Lui c'est le contraire quoi de tout ça. C'est un athlète. Ça, c'est son bateau. Hein. Il adorait l'eau, il est mélangé. De tout temps, tout jeune, on allait rôder au bord de l'étang. On n'allait pas de bateau, on restait sur les bords de l'étang ou à la plage. Hein.
En général, on allait au phare de Roquerolles dans les temps, surtout lui, Georges, pour échapper aux touristes, vous voyez. Ailleurs, les gens le reconnaissaient, le voyaient. Et là, ça s'est isolé un peu avant qu'on le trouve là. C'est pour ça qu'on allait à Roquerolles. C'est juste au milieu de l'étang, là. Il y avait des bateaux de promenade l'été pour les touristes qui baladaient dans l'étang qu'il avait repéré. Alors qu'il venait montrer l'animal bizarre, là, sur les rochers. Je me souviens, au début que j'étais mariée, on allait beaucoup au cinéma. Georges, il adorait le cinéma. Il pouvait encore sortir à cette époque-là. Et puis, petit à petit, il n'est plus sorti de chez lui, quoi. Sauf en voiture pour aller d'un point à un autre. Mais il ne marchait plus dans les rues. Alors que c'est ce qu'il aimait. Il aimait vraiment. C'était impossible après. J'ai déjà raconté qu'il voulait s'acheter un habit de scaphandrier pour pouvoir sortir incognito. Ça m'a toujours enchantée, cette histoire. Qu'est-ce que je pourrais faire pour qu'on ne me reconnaisse pas? Le succès, ça l'empêche d'aller là où il aime aller. Ça, il ne sort plus. Tu vois, ça l'emprisonne un peu. Et puis, il y a les fausses rumeurs. En même temps, ça lui permet d'écrire des chansons géniales, les trompettes de la renommée, tout ça, qui sont très, très, très drôles. Mais c'est quand même lourd, quoi, pour cet homme qui se veut être un vrai libertaire, qui place la liberté comme valeur suprême. Bah, tout d'un coup, lui, il se retrouve à avoir un champ réduit d'action, quoi. Je vivais à l'écart de la place publique, serein contemplatif, ténébreux bucolique, refusant d'acquitter la rançon de la gloire. Sur mon brin de laurier, je dormais comme un loir. Les gens de bon conseil ont su me faire comprendre qu'à l'homme de la rue, j'avais des comptes à rendre et que sous peine de choir, dans un oubli complet, je devais mettre au grand jour tous mes petits secrets. Trompette de la renommée, vous êtes bien mal embouché. C'était la donnant-donnant. Hein. On l'avait accueilli à bras ouverts. Oui. En échange, il était prisonnier. Il avait perdu sa liberté, en fait. Au début, il n'avait pas les moyens de profiter de la liberté. Mais quand il avait les moyens, c'était la rançon de la gloire. J'avais le sentiment, j'avais le pressentiment que... En mettant le doigt dans cet engrenage de la chanson, qui est un engrenage qui fait pas beaucoup, qui m'a pas fait beaucoup de mal, mais qu'en mettant sans ce doigt, je perdrais quand même quelque chose. J'ai beaucoup gagné à cette histoire au succès, mais j'ai beaucoup perdu. J'ai perdu une certaine autonomie, une certaine indépendance que j'ai essayé de maintenir d'ailleurs, et que j'arrive à maintenir, mais au prix de pénibles efforts. Ça, il ne pouvait plus. Non, ça, c'est certain. Il n'aurait filmé que chez lui. Il n'aurait pu, mais il aurait pu continuer à garder cette passion, de garder des moments intimes. Mais ça, il ne l'a jamais fait. Enfin, on n'a pas de traces, en tout cas. Thank you.
Si ça continue, on va finir par me proposer la Légion d'honneur, et alors là, vraiment, je ne saurais plus où me mettre. Je pense qu'on ira beaucoup plus loin. Beaucoup plus loin, vous voulez dire qu'on me panthéonisera ? D'une certaine manière.